Tu veux dire que tu n'as pas senti la musique de mon harmonica? Si, mais je n'ai pas su que c'était toi. Cristal, je peux te causer un peu? Vas-y, je t'écoute. Tu es une fille que j'aime. Dernièrement, quand nous sommes à la vie, je n'ai cessé de te regarder. Je suis prêt à venir te doter. Tu sais très bien que ma mère n'aime pas entendre ce genre de paroles. Qu'est-ce que tu me dis là? Cristal, la liberté s'arrache. Et tu sais bien que je suis le fils unique à mon père. Je sais. Depuis le jour où je l'ai veillé, tu m'as mis dans mon système X et VIX. Non, tu vas me tuer. Je suis en train de composer une chanson pour toi. Wow. Avec mon harmonica. Wow. Mais parce que ce que tu dis là. En tout cas, je vais rentrer à la maison en parlant à ma mère. Et je te donnerai la réponse à la rivière. D'accord. Je t'offre ceci. C'est un courrier que j'ai eu à tisser avec mes propres mains. Wow. Je te l'offre comme cadeau. C'est beau, hein? Merci. Merci, c'est vraiment gentil. Bon, on en reparlera demain à la rivière. Bye. C'est qui ça? C'est ma tante, c'est la jeune dame. Ma fille, tu nous as gardé quoi? Rien, maman. En tout cas, les provisions sont finies. Donc, il n'y a plus rien pour nous. Il n'y a plus rien. En pensant, c'est ta dame. Goula, c'est qui ça? Ce sont les gens du village. Pardon, allons vite. Ouais, bonne arrivée. Qu'est-ce que ça dit? Ndoum dit. Je ne connais pas. Je connais qui a pas ça. Yam Kadie. Zambi. Je goubea. Yes, I can get a hashi. You good, Nick B.
Marie. Encore. Jacobi. Bonjour. Bonjour. Oh, oh. Tu es en train de piler les légumes toi-même là. Les légumes là vont te tuer un jour. Aïe. Hey, Jacobi, tu sais que mon mari adore les légumes. Bonjour ma fille. Oh, voici. Toi aussi, lève-toi là. Ramasse-moi les noix si tu mets là-bas. Tu m'attises le feu si. Assois, prends place, ma fille. Merci. Fais-moi comme ça. Ça commence avec. Tu ne remarques pas les nouvelles faces qui sont là-bas en bas là. Les nouvelles faces. Les filles qui marchent avec Ngoula là. Ah oh. Ce sont les belles filles de ta coépouse, non? Quelle coépouse? Ta coépouse Coco. Ah hein? Mary. La femme, c'est mauvaise, oh. Toi, tu n'es pas au courant. Qui m'a dit? Qui m'a informé? Mais Jacobine, toi qui as sa coépouse, elle ne te dit pas. C'est à moi qu'elle viendra dire. Je te rappelle qu'elles sont même venues avec la voiture. Ah, la voiture que j'ai vue garer là-bas l'autre jour, là. Mm-hmm. Mais la femme, là, continue à me faire la jalousie alors que notre mari ne vit plus. C'est même quoi? Tu sais. Mais. Oui, faut qu'on arrive là-bas. Fais quoi? C'est en arrivant là-bas qu'elle va nous donner quoi? On peut lui dire ses vérités en face. Tu connais la vieille carapace là? Hey! Tu as peur d'elle? Je n'ai pas peur, mais. Allons, je t'accompagne. Tu n'es pas derrière moi. Tu penses que c'est en partant là-bas qu'elle va nous donner quoi? En tout cas, on va aller. Ok, j'ai fini alors de faire la cuisine. Je t'accompagne là-bas. Tu comprends? C'est pas Voilà, dis bien le monnaie. C'est ça, non, il faut bien débousser. Non, non. Non, j'avais bien à couper le moyen de sa mère là. Non, tu es un voleur. Gars, tu m'as dit que c'est le sang de ta mère là. Ce n'est jamais le sang de la mère. C'est ce qu'il a dit. Il faut qu'on se tient et m'attend d'eux. Alors non, non. On débousse. Non, voilà. Tu es avec moi comme ça, donc tu voles. Non, Cristal, regarde, regarde. Vrai, vrai. C'est le chant de sa mère, vrai, te manque pas déjà avec toi. Laisse-le là-bas, tu fais ça, avec toi. Laisse-le sa mère, il te manque. Laisse-le là-bas. Tu es un voleur. Ne vole pas. Non, tu es un voleur. Ouais. Bala et Nono, essaie de boire. On va mettre la tête dans la cuisine. Eh, Frocam, essaie de boire. Amène pour le manger. Merde. Tu me déçois. Frocam. Nono, tu me déçois. Frocam. Franchement, tu me déçois. Cristal. Cristal. Je ne m'appelle plus. Ah, Frocam. Amène pour le manger. Ne passe pas là, je suis à Nono. Ne passe là, je suis. Y'a tête, thank you.
Divine! Divine! C'est ton mari! Apprends à qui t'appelle? C'est quoi, il y a quoi? Abanda. Je n'en peux plus. Je rentre chez nous. Divine, rentre à la maison. Tu peux pas gérer ça, hein? As-tu pensé à l'avenir des enfants? Je sors comme ça de la chefferie pour ce même problème. Je dis non. Mes parents ont encore besoin de moi. Je rentre chez nous. Calme-toi, s'il te plaît. Rentrons à la maison. Je vais trouver une solution. Tu es toujours content. Avec sa femme même. On doit la détruire. Voilà. Allons. Je t'emmène chez le notaire Bendifo. On va. Tu vas rester là-bas. Attends, il y a quelque chose aussi, souffle. Ça, c'est André, comment? Aide-moi un peu, pardon. Souffle. Vous savez, c'est bon, non, c'est bon, c'est pas bon. Attends, souffle. Coco, Djoukou. Ayapé. Coco, pourquoi tu es méchante comme ça là? Je ne savais pas que tu es méchante comme ça. Nos belles filles arrivent dans ce village, tu es incapable de les amener chez moi, hein, pour qu'elles viennent aussi me saluer. Je suis donc venue. Djoukou, ma fille. Bonsoir, moi. Merci. Bonsoir. Tu parles même de la méchanceté. Elle est égoïste. Elle est chiche. En tout cas, j'ai appris que les stars de riz sont venues ici. Je suis venue prendre pour moi. Jacobi, je t'ai vu lorgner au moment où elles sont arrivées. Et ta fille t'a même tenu informée que mes belles filles étaient là. Coco, j'attendais que toi-même, en tant que ma co-épouse, vienne me dire que nos belles filles sont déjà là, mais tu ne l'as pas fait. Je suis venue de moi-même. En tout cas, je veux juste un morceau de savon qui traîne là quelque part, ou bien je ne sais pas. Je veux ma part. Tu m'attendais. Je n'ai plus rien. Tous les gens du village sont venus. Je leur ai tout distribué. Je n'ai plus rien. Donc tu n'as même pas un morceau de savon qui traîne quelque part là, Coco, même toi-même. C'est fini. Ouais, voici mon dernier savon. Je n'ai que ce seul morceau de savon. Savon à Coco. Je n'ai que ça. Nous tous, nous allons utiliser le savon. Elle va casser le bras. Jacobine, viens me remettre mon savon. Jacobine, chouette. Mais maman, c'est comme ça que ça se passe ici au village. Hey, laisse-moi. Non. C'est tout le village qui vient. Coco, Coco, tes belles filles sont venues. Elles t'ont apporté ceci. Elles t'ont apporté cela. Donne ma part de ceci. Donne ma part de cela. C'est quoi même? Elles me veulent quoi ici au village? Hein? Oh, maître. Oh. Hey. Toi-même, tu as vu, non? Ouais. Amen. Amen.
Échappez-moi. Embre. Embre qui? Nemre. Abre. Abre. Échappez-moi. Échappez vieux type. Échappez un beau chango. Posez une abasse. Et ping un moyen pour une joie. Posez le tesoro. Abra, réponds! Abra, réponds! Abra! Yekoubié! Surundio! Kirbindi! Yentekete! Zunukudu! Yentoudoua! Yemkourudu! Sirniki! Nyomi, 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 nyomi. Apparemment, les ancêtres sont endormis. Et leur sommeil est important. Mais le traitement pourra continuer très tôt le matin. Très tôt le matin. Tu as compris? Njenunu, 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 ma kofaza, wa kamana na bolo. Njenunu. Bonjour Mary. Bonjour. Vous deux là, je tenais à vous rencontrer. Que ce soit la toute première et la toute dernière fois de vous voir encore dans mes rêves. Vous savez de quoi je parle. Mary, tu nous as vus dans tes rêves. Oui. Il fallait nous attraper. Comment? Vous étiez nombreux. Et je vous rappelle que si ça se passe encore ainsi, moi-même j'irai affronter la chef. Mary. Moi, je comprends rien. Tu nous as vus dans tes rêves comment? On faisait quoi dans tes rêves? Et puis, il y a une chose aussi loin. Hein? Mm-hmm. Quelqu'un peut venir prendre nos visages. Il peut venir te faire du mal avec. Tu crois que c'est nous, hein, Péry? Oui. Et c'est même une chance que tu sois venu vers nous. Tu n'es pas allé directement à la chefferie. Voilà. Même si c'est nous, on te demande pardon. Même si ce n'est pas nous, on te demande toujours pardon. Et. C'est une chance que les gens n'ont pas entendu. On connaît manque de respect dans ce village. Que cette histoire-là, ça reste entre nous. Hein. Ça reste à huis clos. Et en plus, c'est pas bien d'accuser les gens comme ça, Emile. Tu accuses les gens comme ça sans les preuves. Et si tu es sûr de toi, ce n'est pas nous. Hein. Ok. Que ce soit vous. Tant mieux. Que ce soit pas vous. Je suis avec mon Dieu. Bonne journée. Métier, pourquoi parmi tous ces gens là c'est seulement nous qu'elle avait? Car moi je comprends rien. Et on dirait même que c'est toi qu'elle a remarqué. Tu es fou. Elle a dit que quoi? Qu'on était nombreux, non? Peut-être c'est même toi, salaud. C'est toi qui n'est pas la même qu'il faut. Hein? C'est même une chance. Heureusement qu'elle a même composé. Elle n'est pas comme ça, c'est pas que c'est nous. Ça va, ça va. Même Dieu avec nous. Yuko. Bonsoir. Moi, c'est Cristal. Là, ma copine. Miss, c'est mes belles soeurs. Bonsoir. C'est dont je te parlais. Je suis la fille en hommage à Kobine. La copine, c'est ma copine.
C'est la fille de la maman qui est venue arracher le savon à maman Coco hier. Ah bon? Donc c'est toi, hein? C'est tout toi, là. Pourquoi tu es sale comme ça? Le savon que ta mère a arraché à maman Coco, là, ça ne t'a pas encore lavé. Tu ne peux pas être comme ta copine. Et puis, faut dire à ta mère qu'elle ne traverse plus le seuil de la porte de maman Coco. Sinon, elle aura affaire à moi. À cache à l'homme. Maman, jamais. C'est quoi? Tu ris de quoi? C'est comme ça qu'elle a fait la Kirby, Hebe, Hebe, Sourneha. Yekurudu, Sipirie, Kurnikea, Nyakendate, Sipiri, Yentiri, Sinia, Sourneha, Ade, Yentiri, Nyakiri, Kemniga, Kirby, Hebe, Hebe. Je suis là pour juste vous informer de vous éloigner de cet arbre. Vous êtes des allogènes dans ce village. Alors mettez-vous à l'écart. Sinon, sinon quoi? La prochaine fois, c'est vos têtes qui exploseront. Yekurdi,